Bonsoir la famille, un petit direct vite fait pour juste dire deux mots à Loli la fracasseuse pour lui demander nouvelles. Tu es partie dans le funérail de ton papa là, nouvelles de là-bas. Funérail là, ça fait pas encore 40 jours bien combien, si je me rappelle, c'est le mois dernier qu'Aya est sortie, c'est là nous on a su que tu as perdu ton papa. En même temps, même pas deux jours, toi tu es sur Facebook en train de parler des pinécons des gens. Et pour toi là, parce que jusqu'à présent, Aya est venue nous dire que l'unique là, tu baisais lui. Tu n'es pas venu donner réponse de ça. Et tu viens te mêler de Yaka Yaka et Aya Robert. Toi, tu as déjà fini d'enterrer ton père. Il a vu ton direct où tu dis que toi, ton père est mort, tu as payé 4000 euros. Et puis tu es parti au funérail. Donc tu attendais qu'il meure avant de payer 4000 euros. Quand il était malade là, tu étais femme, tu avais gros cœur non. Pendant que les autres étaient en train de parler des plaintes là, quand toi ton père est mort, toi tu es femme, donc tu t'es levé, tu es parti. Quand tu t'es levé pour aller au funérail de ton père là, tu attendais qu'il meure avant de partir. Tu as gros cœur, même si Blé Brigitte t'a porté plainte contre toi là, ton père est malade, mais vas-y. Pourquoi tu restes là, il meurt d'abord, puis tu t'en vas? Maintenant, tu t'en vas là, même pas funéraire, là, on n'a même pas encore fait deux jours. Ton père, là, il a été enterré, tombe là, chaud comme ça. Toi, tu te lèves, tu cours, tu viens, t'assois sur Facebook, sur prétexte que Aya a dit quelque chose. Faut dire que tu es venu défendre Pin de l'unique. Va quitter ici. Tout le monde sait que tu baises l'unique. Mais le problème, c'est que, ou qui me dérange là, c'est que ton père était malade. Donc, ils ont porté plainte contre toi, tu n'es pas parti. A fait des plaintes, elle n'est pas encore bien fini. Tu as attendu qu'il meure, tu cours pour aller. Ta bouche est dans la fête des gens à l'heure là, alors que ton père vient de mourir. Quand ils vont venir le fafouillasser là, c'est pour venir dire que mon père vient de mourir, on le traîne. Parce que toi-même, tu as bien traîné les gens ici. Parce qu'on ne te clashe jamais, c'est toujours toi qui clashes les gens. Il pourrait bien attendre, il dit que non, ton père est mort, il a été laissé, mais il n'est pas te laissé. Parce que tu es déjà sur Facebook. Chez vous là, il n'y a pas un temps de funérailles. Tu ne peux pas laisser Facebook un peu et puis pleurer deuil de ton père. Hein, Loli? Ton père, tu viens d'enterrer là. Tu as payé 4000 euros pour courir, pour partir. Tu pleures pour 4000 euros sur Facebook là. Tu as fini d'enterrer ton père puis tu es sur Facebook. Donc, Facebook là, Facebook est mieux que toi, ton père quoi. Facebook est mieux que ton père. Ton père est décédé, même pas un mois. Toi, tu es déjà sur Facebook en train de parler dans l'affaire des gens. Lolo Boté, Yaka Yaka, si ils ont doigté là-bas, là, toi-même est l'unique là. Quand vous êtes allé dans Oscar des blogueurs, vous n'êtes pas doigté là-bas. Vous êtes doigté aussi. Donc, si les deux là se doigtent là, toi, tu te mets de quoi? Va faire ton funérail. Il était malade même là. Tu es allé à son chevet, ton père là. Maintenant, il est mort, tu cours. Et 4000 euros sur prétexte que tu es parti avec ton enfant. C'est ce que tu dis là qu'il répète. C'est quand il était vivant là, tu allais te montrer que tu avais gros coin en bas de toi. Et puis tu allais partir maintenant au funérail, aller croiser. Tu allais partir à son chevet pendant qu'il était malade, aller croiser Bré Brigitte là-bas. Tu attends qu'il meure et puis tu cours, ton nez on dirait pine là. Tu t'en t'assois là-bas que mon père est mort, il a payé 4000 euros pendant que vous parlez, moi j'étais déjà au pays le lendemain. Mais il était malade, tu étais au courant. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu n'es pas parti? Tu es là à courir derrière Pine de petit, un nez comme ça, tu cours derrière sa pine. C'est quoi ton problème? Ce n'est pas vous qui dites que vous voulez marier Blanc. Restez dans le foyer des Blancs là. Facebook te paye, Blanc te donne l'argent. Donc si tu as payé 4000 euros là, ça fait quoi? Pour ton père, tu as payé 4000 euros, tu es obligé de venir nous dire ça. Même si tu as payé 10 000 euros, c'est la mort de ton père, c'est normal. Ou bien, c'est pas Facebook qui l'a tué, donc tu n'es pas obligé de venir t'exposer ou bien t'expliquer sur Facebook. Ton père est mort là, pleure là-bas dans les coulisses et puis reste là-bas et ça. Viens pas nous emmerder ici. Donc, affaire de Lolo Boté, Yaka Yaka là. Tu es même, tu dis, je ne suis pas hypocrite, tu es hypocrite dedans. Tu es hypocrite dedans parce que tu ne veux pas trop djinzin. Yaka Yaka, il ne faut pas qu'il sorte sur toi. Donc, tu caresses ici, tu caresses ici, je ne suis pas d'accord. On a déjà montré, on a déjà vu dedans que tu es Lolo Boté. Moi-même, là, il y avait dit au Libia, ça, il savait que ça allait rien donner. Il y a longtemps, je vous ai dit que Libia s'est déjà gâté. Je vous ai dit ici qu'Aya Robert n'était plus dans Libia. Loli est son nez, là, n'était plus dedans, je vous ai dit. C'est pas ça qui est sorti, là.
Loli, moi ici et toi, on te clash jamais aujourd'hui là. Moi, je te clash même. Je te clash, ma chérie. Va pleurer la mort de ton père. Ça t'a tellement fait mal. Parce qu'on a l'impression que c'est 4000 euros que tu as dépensé là qui te fait plus mal même que la mort de ton père. Mmh. 4000 euros, c'est quoi? Vous dites que vous avez l'argent sur la toile. C'est toi qui viens pleurer. Il a dépensé 4000 euros. Toi, ton père est mort. Toi, tu viens t'asseoir, venir parler de 4000 euros. Tu es malade. Tu es malade qu'au 4000 euros. Va t'occuper de tes oignons. On dit ton père est mort. Va t'occuper de ça. Laisse Facebook un peu. Il y a quoi? C'est Facebook qui a te consolé. Ou bien c'est quand tu as venu dire que ton père est mort sur Facebook. Et puis on va venir faire quoi ça? Va pleurer ton père et laisse Facebook. Ton père est mort. Il était malade, tu n'étais pas là. Maintenant il est mort là. Continue de pleurer avec ta famille là-bas. Facebook là, c'est pas ta famille. Si tu veux aussi, va pleurer dans Pin de l'Unique aussi. Il peut même te caresser, te consoler tous les soirs. De toute façon, ton mari n'arrive pas à te renverser là. L'Unique le fait. Tu dis ta bouche est sale, non? Loli, moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Parce que quand on est en deuil là, on se rend sur le côté. On ne vient pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Aya Robert a dit la vérité, elle a mis pas. Tu viens parler. Moi, je ne suis pas amie à Aya. Je m'en fous de ce qu'elle fait. Mais quand il y a des choses là, il faut dire la vérité. C'est sur toi que je suis sorti. Il va revenir. Ta gueule à moi. Et puis dites-lui d'aller au funérailles de son père et de sa mère. Et de son père, pardon. Je ne sais pas si sa mère est vie, ça, ce n'est pas mon problème. Mais elle n'a qu'à aller au funérailles de son père. Elle n'a qu'à continuer à pleurer son père. Au lieu de rester là, courir derrière Pin. Quand on a parlé de Pin, elle court. Elle-même, où elle est là, même, elle prie même qu'il ne faut pas le nom de l'Unique va sortir pour dire l'Unique a l'orbi, une fille là-bas. Ça va lui faire mal. Pendant que Yaka et Lolo Beauté là, quand vous croisez, eux, ils sont collés là. Toi, tu n'es pas collé à l'Unique. Dans tous les snaps qu'on voit là, toi, tu es toujours collé avec l'Unique. Donc, toi, tu avais nous dit quoi ici? Un bon matin là, Aya a brossé, non? Elle du pauvre. Elle va venir casser tes papos ici. Comment l'Unique te mougou bien? Comme ton mari n'est pas sur Facebook, il est blanc, il ne va pas voir. Mais tout va sortir ici. Moi, je vous ai dit ici que Libias là, c'était gâté. C'était gâté, c'était Nimo, c'est Genzin. Voilà ça. Ça allait où? Quand on fait quelque chose dans l'hypocrisie, là, c'est comme ça que ça ne marche pas. Vous tous, vous étiez hypocrites. Ton l'Unique, là, il a fait semblant aussi d'aller soutenir Yaka Yaka pour finir maintenant là. Vous êtes maintenant des... Et Lolo Beauté, il vous a recruté. Maintenant, vous travaillez pour lui. Ton père et moi, là, Lolo Beauté t'a donné combien pour te dire Yako? La Libya, ça a cotisé combien pour te dire Yako? C'est ça qui est ça. Dans la famille, moi, je suis venu faire un petit direct pour appeler à cette vilaine fille-là. Elle croit qu'elle est jolie, là. Elle n'est pas belle. Ton nez, là, ressemble à Pin. Pin Sifron, tu connais ça, non? Quand on accroche ça comme ça, c'est comme ça que ton nez est morveuse. Va enterrer ton père. Va faire funéraire de ton papa. On est venu parler sur Facebook. Facebook, là, il faut le laisser un peu. Tous ceux qui sont Facebook, ils ne sont pas en deuil. Personne, ceux qui ont perdu leurs parents il y a longtemps. Toi, tu viens de perdre. Oh, là, même, est chaud. On vient d'enterrer. Et puis, jusqu'à tu as couru, elle est venue vendre perruque. Donc, 4000 euros, tu as pris pour aller enterrer ton père, là. C'est pour ça que tu viens vendre Pérou, venir retirer tes 4000 euros. Hein? Toi, tu es parti au funérailles, tu as même eu le temps de charger Pérou, venir vendre. Tu tiens à ton père, là, tu es sûr. Tu t'as enterré quelqu'un, tu vends, tu prends Pérou, tu charges Pérou pour venir vendre. Et elle vient s'arrêter, il vend Pérou. Prends Pérou et puis mets ça dans ton cul, là-bas. Ton père est mort, c'est le sang de ton père, tu en es le vendre. Ton père est mort, toi c'est perruque, toi tu viens vendre. Donc quand tu es parti là, tu as eu le temps même de prendre perruque pour mettre dans valise pour venir vendre ça ici. Et tu viens t'asseoir venir vendre perruque. Quand elle parle même dans son visage, même tu sens même pas qu'elle a perdu son papa même. Elle n'est même pas triste un peu. Toi tu es quitté à Abidjan, enterré ton papa, une musulmane, c'est toi qui as mèche jusqu'à qui arrive ici. Toi tu es né comment? Tu devais même raser ta tête là. Mèche là arrive ici quand voici fossile là maintenant. On dirait éventail. Toi, tu es sûr que tu es quitté au funérailles. Papa dit chercher garçon là-bas.
Hein? T'es pas allé chercher garçon. T'es quitté au funérailles, ton papa, puis tu t'es fait main comme ça. Tu as eu le temps d'aller t'asseoir dans le salon de coiffure pour te faire les locks qui arrivent ici. Et tu viens t'asseoir, tu parles aussi. Sors. Il est déçu. Petit à petit. Quand il sort là, il sort sur toi. Va faire ton deuil là-bas. Va faire ton deuil. Si ça va pas aussi, va dans les jambes de l'unique. Il va bien te lorbi. Maintenant, c'est ce que vous faites. C'est la mode. Vous vous lorbissez là-bas. Vous vous doigtez. De toute façon, l'unique, toi, c'est ton ex. Toi, on monte, on descend. L'unique, là, il te lorbi, il te doigte. Il te baise bien, il te mougou même. Pour toi, là, c'est pas un débat. C'est la vérité. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, la famille. Moi, il vient là, il dit toujours la vérité. Il vous a dit que c'était gâté. Comme quand nous, on vient, on ne fait pas comme si c'est les papous, on casse là. Vous ne croyez pas. Il vous a dit que c'était gâté à Libias. Ça est où? C'est Nimo là-bas. Aujourd'hui, là, voilà ça, les papous sont des gâtés. Deux personnes qui ont déjà fait clash, comment ils peuvent être amis? Comment ça allait se gâter? Couper tête pour jeter ton hypocrisie, tu es dedans aussi là. Faut laisser. Hein. Toi-même, tu sais que tu attendais Lolo Boté au tournoi. Donc, faut pas venir jouer les hypocrites parce que c'est Aya qui est en train de casser les papous. Faut arrêter aussi. Lolo Boté, elle est là, même si elle est à terre. Hein. Si elle est sur toi, hein, faut marcher sur elle-même. Parce qu'elle mérite ça. C'est pas elle qui est allée dans la famille de ton mari. Franchement, couper tête pour jeter. Tu es hypocrite. Tu es une vraie hypocrite. Ça, là, c'est pas ce qu'on appelle défendre quelqu'un. Tu n'es pas en train de défendre Lolo Beauté. Tu fais semblant parce que tu sais que ça s'est gâté en eux à Aya, là. Donc, tu fais semblant de les soutenir. Sinon, ça, c'est pas ça. On dit que. Toi, tu dis que tu aimes. Apoutchou, non. On dit que Lolo Beauté a envoyé les gens à l'aéroport pour filmer Apoutchou. Lolo Beauté a demandé les papiers d'Apoutchou. C'est dans sa main. C'est quelle défense, toi, tu viens faire là? Hein? C'est quelle défense tu viens faire? Sale hypocrite. Bon, la famille, c'était mon petit direct. Je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Et puis, on se dit à demain.